retrouve à la plage en vacances et on a décidé de faire quoi aujourd'hui? Enfin, ça fait un petit moment déjà qu'on avait décidé de le faire, on n'a pas eu le temps. Il y avait du vent et tout. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui alors? Du slime avec du sable. Oh, du slime avec du sable. Alors en style, en fait, ça va être comme du super sand, c'est ça? Ouais. Alors est-ce que vous croyez que ça va marcher? Ouais. Allez, crash test. Allez, crash test. Alors vous savez les ingrédients qu'il vous faut pour faire ce slime? Bah du sable, déjà. Du sable, ouais, forcément. Du borax et de la colle. Bon. Du borax et de la colle. Mais nous on a pris de la colle blanche. Et de la colle blanche, bon, on a aussi la transparente. On va essayer avec la colle blanche. Ok, bon on passe au test. Ouais. Ok, bon bah c'est parti. Alors qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Faut mettre la colle et le borax. Allez, bah c'est parti. Il faut qu'ils soient un peu plus collants que d'habitude. Un peu plus collant que d'habitude, tu dis? Un peu plus, en fait, un peu collant. Un peu collant, donc vas-y. Alors c'est Corentin qui met, c'est ça? C'est moi qui mets la colle et Océane mettra le borax. Ok. Alors là, les amis, on est revenu de vacances en Espagne, là, et puis on se retrouve au Gros du Roi. Et si j'ai beaucoup de vent en Espagne, oui, je t'ai dit stop. Là, je crois que tu peux tout mettre en fait. Ah ouais? Bon. Oh, c'est bon, ouais, c'est bon. Hop là. Bah, attention, on ne jette rien sur la plage, surtout on ramène tout à la maison si on veut faire ça. Donc là, c'est bon? Oui. Qu'est-ce qu'il faut à l'intérieur maintenant? Le borax. Je vais mettre le borax. Tu mets le borax? Mets 3 pipettes. Hein. 3 pipettes, tu crois? Ou même un peu plus. Mais on va voir déjà avec 3 pipettes. Hein. Je sais pas. On va voir. En fait, peut-être pour toi, tu peux en mettre 2, comme ça, ce sera 2 chacun. Ouais. Une. J'irai jamais en enlever 2 souvent et bah j'en mets. On a jamais testé ce slime. Hein. Non, c'est une toute première. On n'a même pas testé à la maison. Non, là c'est une première quoi. Ouais, et puis en plus à la plage c'est marrant. Bon, bien sûr, le slime on va le récupérer dans des tupperwares. On a des tupperwares ici. Ils sont là. On va pas les jeter sur la plage, surtout pas. Et où on le met ça? Ben, tu le mets sur un borax. Voilà, sur le borax, puis on le récupérera après. Surtout, ne jetez rien sur la plage, les amis, si vous voulez faire ça. Corentin, lève ton genou. Ah, vous avez mis là, sur ça, mais quand c'est bon? Une pipette. Bah, tiens, tu peux mettre tout là-dedans, comme ça, moi, ça fera la poubelle. Mets tes pipettes. Allez. Alors maintenant on remue? Ouais. C'est moi. Tu les as mis sur la plage. Alors on va voir si ça commence à faire du slime. Remue avec une pelle. Remue avec une pelle, ben ouais, on est en mode plage là. Le slime à Tipeee. C'est ça. Ah, il y a du sable. On a déjà vu des tutos en fait DIY avec du sable en fait d'aquarium. Et on s'est dit pourquoi pas essayer avec le sable direct de la plage, vu qu'on est à la plage. Bah ouais, parce que c'est beaucoup plus naturel. Ouais. Alors bah je crois qu'il faut rajouter du borax. Hein. Ouais. Allez, vas-y, rajoute au sien. Vous pouvez en mettre, je pense, une pipette chacun déjà. Ça, j'ai une pipette. Hop là. Pas sur les pieds. Non, ça a été sur le sable. Allez, on remue. Nous on ne fait pas des châteaux de sable là. On fait du slime. Enfin si, Corentin et Océane derrière, ils ont commencé. Oui, en fait on va faire une guerre. Alors est-ce que ça fonctionne? Ouais, ça fonctionne. Je pense qu'il faut mettre encore 2 pipettes. Hein. Ah ouais. Hop là. Je prends les 2, j'en coupe une pour toi. Eh, tiens. Il y a un espace hein. T'as même pas coupé une pipette. Coucou, je suis ici. Donc là, on va voir. Ici. Alors, il manque encore beaucoup de borax. Donc, on va rajouter. Tiens, la rescousse. Allez, on y va. Rescousse. Elle s'appelle Maman Rescousse. 2. Allez, 3. Ah, je crois que ça va être bon. J'en mets 4. Et j'en mets 2. Elle se croise.
Ça commence. Ça finit. Ah, regarde. Ça y est, fallait que je rajoute mes vitesses. Non, pas encore, regarde. Ça commence, mais... Ah, ouais, c'est pas mal, on peut en rajouter encore deux, je pense. Deux, trois. Deux. Tu veux rajouter ou non? Non, on va en mettre deux, là. Eh bien, on a mis beaucoup, beaucoup de... Regardez. Tout bourrax qu'on a mis. Allez, on y va. Ah, heureusement qu'on l'a pas fait avec une boîte neuve et qu'on devait faire deux slimes. Ah bah voilà. Alors, voilà ce que ça donne, les amis. Donc là, il est presque prêt. Donc là, je pense qu'on va pouvoir mettre le sable, non? Ouais. Allez, bon, on y va. Alors, faut mettre le sable. Hein. Comment on prend ça. On prend en fait une passoire parce qu'à l'intérieur du sable, il y a quoi? Des coquillages et on n'en veut pas. Des coquillages et on veut pas des coquillages. Allez, on y va. Vas-y, mets ta main dessous. Voilà, comme ça, tu mets dedans. Vas-y. Voilà, montre au gobain un peu. Regardez tout ce qu'il y avait dedans. Voilà, donc ça, on en a besoin. On le voit pas, mais... Tiens, tu peux mélanger si tu veux. Ah, c'est voilà. Beau. Il faut avoir d'ailleurs. Le niche, il en faut encore. Ouais, il en faut encore, ouais. Il faut mettre beaucoup de sable, apparemment, les amis. Comment c'est dur. Après, il va falloir y aller avec les mains. Hein. Oui. Allez, vas-y. Oh, tu mets des coquillages. Attends. Bon, pas grave si on en a un peu, mais des petits. Voilà. Ça, c'est normal. Les alors, regarde, ce qu'on va faire, on va enlever ça. De le détendre avec de l'eau de mer, ça doit être de l'eau pendant qu'on en revoit. Super, et Quentin nous a abandonné, il est là-bas. Moi je forme des boules pour faire une guerre. Il fait son château fort, donc bon, on y va, tu verses de l'eau dessus, on va voir si ça détend. Donnez-moi et après on va faire une guerre. Ah, sur moi. Et pendant la guerre, pour se créer des boules. Ah bah regarde, ça marche mieux, regardez. N'importe quoi. Allez, c'est bon, je crois que c'est bon. On va essayer de mélanger. Est-ce que tu as relaxé? Ouais. Allez, faut bien mettre de l'eau. Hein. Ça va vachement mieux là. Regardez les amis. Non, on a mis de l'eau, il s'est mis meilleur. Voilà. Et Océane, il est trop bien. Il est trop bien. Quentin, tu vois? Non, t'as vu, non? Ah, regardez les amis. Ah, mais il est trop bien. Regardez! Mais il est chouette! Alors, on a rajouté beaucoup de toile dedans. Il est trop bien! Il est trop lourd! Bon, c'est pas du super simple, mais c'est quand même du slime. Attendez. Regardez, ça fait. Ah, c'est trop chouette! Oh, regarde-tu là! Regardez celui-là! Est-ce que c'est réussi à ton avis? Ouais. Alors c'est pas du super sand, mais par contre c'est un slime qui est trop marrant. La texture est trop bien, il colle pas aux mains. En plus il est fait presque, on va dire à 80% avec les éléments de la mer, parce qu'en fait il y a que de la colle et du borax, mais il y a énormément de sable dedans et de l'eau de mer en fait. Donc franchement, c'est à tester les amis. Et surtout du borax ça. Et surtout du borax maman. Oui, il y a du borax dedans, mais pas tant que ça en fait. Regardez, il est trop bien. Tu fais croire que c'est du sable. Eh, regarde mon sable. Regarde comment ça, regarde. Enfin, le château de sable, c'est sympa ça. Ouais, mais le château de sable, il doit être un peu ramolli. Je vais essayer de faire un... Tiens, il est trop bien. Plus il est mis, plus il est bien, les amis. Waouh, vas-y, tu tires. Je tire. Ah bah. Attends, on va tout mettre. Attends, je peux. Les boules, si tu lances des boules dans le slime, ça vient faire. Regarde. Louloute. Tiens, tu veux tirer d'un côté? C'est
Regardez les amis. Oh, mais il est lourd hein. Touche. Ah, il est trop bien. C'est trop bien. Alors, les amis, on va vous laisser. On pense que le slime est réussi. Bon, ça ressemble pas du tout à du super sand. C'est un slime, sable, béton, enfin je sais pas, voilà. Et Océane, il est chouette ou pas? Ouais. Alors, les amis, on va vous laisser. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous le dire où. Dans les commentaires. À nous laisser un petit pouce vers le haut. Et puis, ben, nous, on va vous laisser. Si c'est pas déjà fait aussi, abonnez-vous. Et dites-nous aussi si vous avez testé du slime avec du sable à la plage. Et un gros pouce bleu. Un gros pouce bleu de Corentin qui nous a lâché. Hein, voilà. Donc, ben, on y va. Nous, on va faire les châteaux de sable. On va vous laisser. On vous fait des gros bisous. Et on vous dit ciao, ciao. Bisous, bisous, les amis. Et aussi, dites-nous dans les commentaires si d'après vous, il est réussi. Parce que, franchement, papa, tu es réussi ou pas? Il est plus gros que le slime. Il dit bof. Ma foi. Moi, je dis qu'il est réussi. Il y a de la colle là.